sœurs, soyez les bienvenus au sein de la cause, notre cause. Désormais, nous ne sommes plus des Rick, des Morty, des Bess, des Jerry, ou encore des Summers. Ouais, Donald. Nous sommes des leurs, des êtres mis au monde par un dieu froid et dénué d'amour, et poussés à se détruire eux-mêmes par l'incertitude qu'il a semée en chacun d'eux. Mais cette violence prend fin aujourd'hui. Maman, t'es maman, tu veux bien contrôler tes Jerry novices. Ma chérie, on est tous un peu débordés en ce moment. T'as raison, t'es pas maman en temps de guerre. Va donc retrouver ta version de papa et faites un break, prenez des vacances. J'ai pas le temps d'attendre ta confirmation, donc disons que si t'es encore là dans 10 minutes, je te fais dégager. Je croyais que tu devais faire accoucher des juments. Eh ben, les juments, ça accouche en 2 minutes. C'était vraiment sans sas. Maintenant, faites du bruit pour notre prochain chanteur, Jerry. Et depuis quand tu es là, au juste? Depuis assez longtemps pour voir que pour toi, une soirée entre mecs, c'est une soirée où des démons et toi se moquent de mon mari à ses dépens. D'accord, mais va pas croire que ça me fait plaisir, ma chérie. Ces mecs peuvent très mal réagir si tu... Vous croyez que vous valez mieux que lui? Vous devriez vous regarder dans une glace avec ce stylo sur votre tête, vous avez l'air d'un con. Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Vous êtes Bess. S'il vous plaît, trinquez avec nous. Je pense que si je ne prends aucun plaisir à me moquer des gens, c'est parce que je ne suis pas une nullose. Oui, ça, on sait. Rick a dit que vous étiez très sympa. Tu as dit ça? Ou est-ce qu'il ment? Bah, peu importe. Fais tourner la timbale. C'est quoi ce truc? C'est de l'essence d'enfer. C'est ridicule comme nom, mais c'est carrément bon. Alors je vais rester en signe de soutien à Jerry, qui est 100 fois plus cool que vous. Quel pied? Papa, c'est quoi ça? C'est un régénérateur et pulsion inverso convertisseur. Ça modifie la structure cognitive d'un sujet en retransformant le rapport plaisir égale douleur qu'il éprouve en rapport douleur égale douleur. Ça éradiquera toute ambivalence à 100%. Il faut juste que le sujet observe un être inspirant gêne et honte pour lancer le process. Donc Jerry, soyez seulement vous-même. C'est ça votre solution? M'humilier encore une fois? Jerry a raison, c'est pas très sympa. Bon, je sais que je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je peux prouver que je l'aime, tout au moins par gratification sexuelle. Bonga, bonga.